Alors cette équipe elle est mal construite, on est d'accord. Si aujourd'hui vous êtes directeur sportif du PSG et vous faites ce que vous voulez, on parle pas d'argent, de contre, qui vous gardez, de qui vous vous séparez? Messi, on garde ou pas? Non. Pour moi c'est le plus grand joueur de tous les temps, mais à l'heure actuelle avec l'avenir c'est Mbappé, je construis une équipe autour d'Mbappé. Messi c'est bien quand on a le ballon, lorsqu'on n'a pas le ballon c'est un peu plus délicat et lorsqu'on a déjà Mbappé qui ne défend pas, donc ça devient difficile. Et avec son salaire, je peux me permettre d'acheter 3 ou 4 joueurs d'un niveau qui peuvent m'aider à construire une équipe. Parce Neymar, que... on garde ou pas? Neymar, si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut me l'acheter, parce qu'il a un long contrat, il est blessé. Il coûte cher. Non, il coûte très très cher, il est blessé 4 mois, donc il ne va pas jouer. Quel club va décider de payer une grosse indemnité de transfert, plus un salaire qui est aussi imposant? Parce qu'il ne faut pas oublier, moi je n'ai pas oublié ce que Neymar a fait avant le début de la Coupe du Monde. Il a été fantastique, il a été extraordinaire, et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais si je dois construire un effectif, je me débarrasserai de lui aussi.